Feu repousse. Wow! Oh putain! Oh, ça fait flipper ça! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a rien vu, on a rien vu. Oh putain, c'est violent! Ne, pas en première la dernière chicane, en deuxième, en deuxième! Oh putain! Oh lolo lolo! Putain, c'est violent! Oh, c'est. Au niveau du frein, j'ai pas de feeling! À peine j'appuie sur les freins, ça freine, et si j'appuie un poil plus fort, ça bloque, donc... C'est rien, ça, Arthur, c'est rien. Y'a personne qui l'a vu, couperait ça au montage. En tout cas, c'est compliqué à conduire. Ça demande quand même un petit peu de concentration, mine de rien. Ça demande quand même un petit peu de concentration. Bon, alors, on fait pas la même erreur. Je vous avais dit combien? Je vous avais dit ça serait bien que je fasse un 42.5. 42.6. Ça va. Putain, mais ça s'entend autant que ça ce truc là. Je vais sortir la visseuse. Hein. Je vais sortir la visseuse. Fanny. Bon, bah écoutez. Ah, le setup! Oh là là, le setup! J'ai failli oublier le setup. Bon bah écoutez, on y va hein. Ah le siège. Ah mais je m'en occupe. Putain mais ouais, comment ça se fait ça? Ah ouais ouais, c'est chiant ça. Bon bah on s'en occupe à le DRS. Allez. On met le micro correctement. Bon, je sens qu'au départ les... Putain je sens mal. Je le sens très mal. C'est surtout ce départ qui me fait flipper en fait. Green, green, green. Je sais pas comment ça fonctionne les départs dans ces monoplaces. Alex. Car on your left. You're in the middle, three wide. Left side, two wide. Clear. Ah, j'ai un truc qui me gêne. Car right. Stay on the left. Keep to the left. Still there, hold your line. Clear. Ah d'accord. Putain mais qu'est-ce que c'est que cette voiture du diable? Bon, on n'a pas perdu de place, on n'en a pas gagné non plus. Le frein, je sais pas si c'était comme ça, le frein. Si, c'était, ça a toujours été un peu étonnant. Mais je suis pas du tout fan. C'est-à-dire que t'as pas de possibilité de freinage, et tout de suite, tu bloques tout de suite, en fait. Donc t'es obligé de pas trop taper. C'est un peu... étonnant. Alors, je sais pas s'il va y avoir bagarre. Bon, oh, si, normalement, il va y avoir bagarre. Ah, si, j'entends. Hein.
Bon, ça fait une petite animation. Bon, allez, premier tour. Au départ propre, hein. Au départ propre, clairement, au départ propre. Assez étonné. Assez étonné. C'est Matt. Ah ouais, mais je pense que c'est ça, Seb, hein, parce que là, à peine j'appuie sur les freins, je suis... je peux pas appuyer sur les freins, en fait. Je pense qu'il peut y avoir bagarre, hein. Comme toujours, hein, premier tour de roue. Pas d'agressivité. Peut-être même mettre un peu de frein sur l'arrière. Calm down. Au devant, petite erreur. Ça y cède. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait vraiment flipper ici, hein. Parce qu'avec la bosse du vibreur, en fait, elle rebondit et c'est ça qui fait qu'on s'envole. Donc vraiment méfiance absolue ici. Ah, formule 3.5. Ah ben moi c'est en practice, bah c'est en qualif, donc c'est bon. Ouais, là on est bien, je pense qu'il y a vraiment moyen, peut-être pas de gagner, mais de faire un top 4. Je pense que les 3 devant ont l'air plus rapides. Je suis tellement pressé de voir cette Mercedes F1 arriver là. Sentir cette sensation de grippe, de puissance. Après, est-ce qu'on va avoir le même problème pour doubler? Je sais pas, mais vraiment, je suis pressé. Non, c'est open, hein, c'est open. Ça serait bien d'ailleurs, toutes les catégories comme ça qui mettent ça en fixed. Par contre, il n'y a pas d'aspi. Hein. Le mec, il est collé devant. Il a rien rattrapé du tout. Bah, elle arrive dans 3 semaines. Hein. All right. Oh, il se bat même pas! Il se bat, mais oh, il m'a pris pour Hamilton le type! Battez-vous, nom de Dieu! Oh, c'est pas possible ça! Vous avez vu la course sprint, les gars, quand même? La course sprint, il le laissait passer! Allez-y, allez-y, allez-y! Oh, un scandale! C'est un petit peu ça le problème de ces courses, du coup, qui sont longues. C'est vu que c'est long, ben, les gens ils savent qu'il va y avoir des erreurs, donc ils disent bon, allez-y! Mais du coup, c'est un peu ennuyant, quoi! C'est un peu ennuyant. Ah,
Ah ouais, ouais, ouais. Après, moi, je suis pas trop un magouilleur ou un tricheur, donc... c'est un peu de la triche. Hein. J'ai mis le DRS pour voir. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Devant, c'est là. Si ça peut être la bagarre, on peut revenir. Hein. Mais faut être, voilà, faut être patient. Ah, au niveau des blocages de roues, c'est un peu abusé. Ah non, c'est pas le DRS d'Hamilton. C'est le DRS de toute la grille sauf Hamilton. Là, c'est dommage qu'il n'y a pas un arrêt au centre, vous voyez. Ça, ce genre de catégorie, il devrait s'en servir pour des catégories test. C'est-à-dire que là, tu forces les gens à faire un arrêt au centre sur ce genre de catégorie. Boum, la Formule 1, elle sort. Bim. Tout de suite, tu sais que ça fonctionne et tu mets un arrêt au centre. C'est ça qui est dommage dans les racing, c'est que les catégories, elles sont là, elles existent, mais... elles servent pas trop de laboratoire en fait. Elles servent juste à, ouais, à une vingtaine d'experts de faire des ratings un peu. Pas forcément facile, mais de plus jouer là-dessus, c'est un peu dommage. Ouais, plus puissante. Ah oui, oui, oui. Ah bah là, ça prend 300 km/h à Monza, ça. Trois semaines, Yavor, trois semaines. Bah pour l'instant, on sait pas. Hein. Ils ont parlé qu'elle arriverait. Ouais, s'ils la sortent dans 3 mois, je vois pas l'intérêt de sortir la 2021. Hein. Autant tout de suite sortir la 2022. Non, 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 non. Non, non, on est sur vraiment des, on est vraiment sur des voitures type. Il y a un peu moins de travail au volant, c'est très brutal, donc il faut être très prudent, mais c'est plus au niveau des pédales le travail, c'est pas vraiment au niveau du volant. Ah bah c'est P6 ça, P5, P5. Par contre, il n'y a pas d'aspi, hein. Vous avez vu, j'étais collé à lui, alors oui, on l'a doublé. Mais bon, c'est le dernier tour, le mec, il défend, je le double jamais, hein, je le dis. Ah ouais, non, mais c'est scandaleux. Bah lui, faut qu'on le double le plus vite possible. Ah,
Ah ouais, bah il y a certaines catégories, par exemple la USF 2000, la SPI c'est démoniaque, celle-ci, non, non, c'est... Ah là, j'ai mis le DRS. C'est qui résiste au duc ici? C'est qui résiste au duc de Dabour? J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de chez Castel. Ouais, chemin. Bon, allez, maintenant on va essayer de bombarder pour attraper les mecs devant. J'y crois pas, hein. Clairement, j'y crois pas. Est-ce que là vous avez été choqué par ce dépassement diablé? Ah, le troisième est mort. Ouais, le troisième a l'air mort. Ah oui. Fernando Guerrero Rocher n'est plus là. Et il a essayé de m'intimider derrière, ça a pas marché. Je sais pas s'il a essayé de faire, mais ça n'a... j'ai même pas regardé mon rétro. Ah oui, c'est une catégorie, voilà, j'aurais bien aimé que là il reste plus que 5 minutes, vous voyez. Il y a, je trouve que la course est deux fois trop grande. Voilà, la course est deux fois trop grande. Alors j'espère que la Formule 1, ça sera pas... Enfin, ça sera pas trop grand. Ouais, j'ai la fibre optique, mais pas directement reliée à la box, donc c'est pas foufou. Voilà, ça va être ennuyant. Là, on a 25 minutes où clairement, il va plus rien se passer. Donc, je vous l'ai dit dès le début, hein, c'est une catégorie qui est beaucoup trop longue pour ce qui se passe, quoi. Eh ben elle arrive, Manu, elle arrive. Bah c'est ça, Lolo. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a plus les fusées d'avant qui nous mettaient 3 secondes autour. C'est... Ouais, ils mettent quand même 6 dixièmes. Et derrière, ça revient. Hein. Pourquoi ça revient? Parce que cette catégorie, c'est pas la première fois. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu te fais chier. Donc du coup, bah tu roules parce que bon, tu veux pas quitter. Mais c'est trop long. C'est trop long, quoi. Et là, il n'y a pas de tire management. Hein. C'est pied au plancher du début à la fin. Hein. Ah non, mais il m'énerve. Il hurle dans cette cabine là. Il n'y a pas de nuisance sonore. Ouais, faut faire un don, Banouboab. Fais un don. Voilà, si tu fais un don, je double René. Est-ce que René va me laisser passer? Left side.
Ah, pour payer. Alors pour ceux qui veulent me soutenir pour le VLN, le prochain VLN c'est dans 2 semaines. Pas hein. Bah, dans une semaine et demie. Hein. Donc tout soutien est le bienvenu. Merci d'avance. Je prends l'échec. Voilà, pour Anna, je vais essayer de voir si je peux participer dans Speed 2. Voilà, essayer de mettre 3-4 équipages coach 22. Alors après, je sais pas si... je sais pas comment ils vont faire leur truc, mais... Voilà, parce que faire la course contre des personnes qui ont 8000, 9000, c'est sympa. Y a pas de problème, sauf que... Faire la course pour finir 22e sur 30... Bon, peut-être pas 22e, mais allez, 15e sur 30... Voilà. On n'est pas là, bien évidemment, pour la victoire, mais au moins là pour essayer à minima de se battre. À minima de se battre. Donc au moins dans Speed 2, voilà, on va mettre 3-4 équipages, on va niveler un peu les niveaux, et puis au moins on prendra du plaisir. Bien, 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 Lucas, bien. Ouais, c'est Daytona, ouais, Daytona. Et d'ailleurs, j'aurai une peinture spéciale pour la Coupe de France, messieurs. Si je vous dis Golden Night. C'était beau. Hein. C'est GT3, Daytona pour Anna. Et pour la Coupe de France, normalement, c'est Hockenheim et GT3. Alors, GT3 et LMP2 pour Anna. Et pour la Coupe de France, c'est que GT3. Et salut à toi, Cyril. Ah, Cyril, je me suis énervé sur Battlefield. Hein. Je n'y joue plus. Hein. J'ai rejoué à Battlefield 5. Je me suis régalé. Alors, c'est pas des conneries, véridique. Hein. Je vais vous raconter l'histoire, vu qu'on se fait chier. Je vais vous raconter une belle histoire. Je l'ai raconté plus ou moins tout à l'heure. Mais donc, hier, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retéléchargé Battlefield 5. J'ai dit, bon, vas-y, je vais aller. Non, je vais quand même jouer à 2042. Putain, je l'ai acheté, c'est pas pour machin. Je suis allé, donc, ce qu'on appelle en mode percé. Alors, en mode percé, c'est 64 joueurs au même endroit. C'est d'un ridicule au possible. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la technique dans ce cas, dans ce truc, quoi, c'est qu'il y a un mec avec un drone qui spot tous les joueurs. Donc, tous les joueurs sont indiqués en rouge, bah, tous les ennemis. Du coup, nous, on est indiqués et on se fait niquer un par un. Donc bref, j'ai dit, ben, j'ai quitté, bon, c'est pas possible, c'est de la merde. J'ai quitté, salut à toi RT93. Et ce qui s'est passé après, c'est que je fais, vas-y, je vais aller sur Battlefield, Battlefield 5 hein, du coup. Battlefield 5, map dans le Pacifique, M1 Garand. Bam, 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 ping. Le bruit du M1 Garand, hein, précisons quand même. J'ai fait 27 kills, 5 morts, 10 000 points, premier de la game, 3 000 points d'avance sur le deuxième. J'ai pris un plaisir fou. Un plaisir fou, les armes, elles touchent, tu tires, ça touche. Je fais, bon allez, je retourne sur Battlefield 2042. Et ça m'a tellement énervé de tirer et de pas toucher parce que les balles ne touchent pas, vu que c'est complètement buggé, que j'avais un... ce qu'on appelle un... un abat-jour. Bah, l'abat-jour a pris une patate dans la gueule. Ah bah... Voilà, j'ai tout arraché. Hein. L'ampoule, elle s'est envolée. Elle a disparu. Disparition de l'ampoule. Donc ça m'a énervé. Donc autant Battlefield 5, je kiffe parce que tout fonctionne, tout marche. Mais le 2042, c'est une catastrophe. Tout est buggé. Donc j'ai dit, je ne joue plus. C'est Bugfield. Ben, c'est un peu ça. Salut Nico. Donc clairement il y a du potentiel hein, mais et l'abat-jour a été déposé tout à l'heure dans la déchetterie du village. Paye à lui. Mais c'est comme ça que je signe la croix. Et ouais non mais alors au niveau du split, je sais pas comment ils vont faire leur truc, mais moi ça me dérange pas d'être avec des moins forts. Encore une fois le but c'est pas c'est de prendre du plaisir. Et si c'est pour faire la course et finalement être obligé d'être dans la performance alors que l'event a pour but d'essayer de gagner un peu d'argent pour une petite fille qui est malade, la performance on s'en fout quoi.
Donc autant juste rouler par plaisir, essayer de faire des relais propres, donner le volant à quelqu'un de l'équipe qui est un peu moins bon, l'aider à progresser. Je trouve que comme ça c'est quand même plus intéressant. Donc je sais pas s'ils vont vouloir absolument me mettre dans Speed 1, je sais pas. Ah c'est ça Tristan, en fait le jeu n'est pas nul. Et je pense que Cyrol pourra en parler aussi. Le jeu est pas nul, le jeu a un potentiel vraiment top. Mais il est pas fini, et puis surtout en fait, c'est trop grand. Donc j'espère qu'ils vont nous mettre le mode PS4 et Xbox One. Le mode PS4 Xbox One en fait c'est les mêmes maps, mais avec tous les points au périphérique en moins. Donc du coup forcément vu que t'as 4-5 points en moins qui sont complètement sur les extérieurs de map, bah tu n'y vas plus. T'as beaucoup moins de véhicules et donc forcément beaucoup moins de joueurs. Et à ce que je suis vu, a priori sur PS4 et One, c'est sympa parce que t'as pas ce côté grand en fait. T'as pas ce côté très grand, t'as ce côté vraiment tu peux voir les ennemis. T'as pas autant de véhicules donc forcément t'as pas ce côté, mais en fait l'infanterie elle sert à rien. Donc j'espère qu'ils mettront ce mode, le mode conquête small en fait tout simplement. Donc à voir. Ah ouais, ouais c'était une practice là à Monza là. C'était la V10R. Bon alors que le mec devant il a plus de rythme. Ah il reste 5 minutes, on va essayer de bombarder, il a plus de vitesse devant, à mon avis il a déchiré l'auto. Allez, on prend tous les risques. Ouais, ouais, on va les faire, on va les faire. 42-6, vous voyez, dès que je me mets à attaquer, bon, bah ça va plus vite, hein, mais... Bon, on pourra peut-être s'en mordre les doigts de ne pas avoir attaqué sur une bonne dizaine de minutes, mais faut trouver la motivation hein, quand tu sais pas... Calm down. C'est Jar Jar. Ouais, top 3. Hein. You got a slow car on the left. Hi. You have about 2 laps of fuel left. Bon, est-ce qu'il va s'écarter lui? Ah, c'est fini ça, c'était avant ça, Thomas. C'était avant. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 saisons dans cette catégorie, c'est n'importe quoi. Il y avait 3 secondes au setup. Oh putain. Putain, mais quel con. Cut the course, you've got to slow down and give up that time. Left side, clear on the left. Bon. Oh, on a eu chaud. On a eu chaud. J'ai espéré jusqu'au bout que l'autre avec sa voiture jaune il s'écarte, mais non, 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 rien à foutre. Rien à foutre, le mec il est deux tours dernier, il s'en fout complètement de ce qui se passe autour de lui. Bon, on a eu chaud, oh putain. On a eu chaud, ouais.
Bon, les retardataires dans ce truc, ils s'en foutent. Hein. Clairement, vous avez vu ça, ils s'en foutent complètement, les mecs. Ah, j'ai eu peur. Hein. Ouais, je pensais qu'il allait, je sais pas, faire quelque chose et... On a eu chaud. Hein. Bon, j'ai pas fait la pute. Hein. Regardez, je me suis mis sur le côté. Voilà, honnêtement, j'ai pas fait du tout la pute. Hein. J'aurais pu bloquer, pas possible, donc ça va. Mais c'était chaud. Ouais. Ça serait pas mal, Cyril. Après, la différence entre GT3 et entre GT4 et... ouais, remarque, ça va vite. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Alors, attendez, c'était à quel tour qu'il y a eu la bagarre de fou, là? Là, c'était pas mal. Bon, clairement. Pardon, à part ça, ouais, c'est pas passé grand-chose. Hein. Right away. Ah ouais, mais c'est un peu comme ça. Hein. Là, vous allez voir, là c'est ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau. Hein. Magnifique. Ça, c'est vraiment le plus beau dépassement, merde, que j'ai fait. Non, c'est bon. C'est vraiment le plus beau dépassement. Peut-être pas de ma carrière, mais c'est un beau dépassement. Là, dès que vous arrivez comme ça, là, forcément, vous êtes à l'extérieur, donc vous emmenez beaucoup plus de vitesse. Ah, ça, je sais pas, Lucas, ça... est-ce qu'il n'y a pas un tour où j'étais collé à un autre mec tout à l'heure, non? Bon. Ouais, honnêtement, on parle des parts. Ouais. Ouais, à part le départ, ouais, bon, il s'est pas passé grand-chose. C'est qui cet assassin? Ah ouais, bah là, mon petit Mehdi, là. Ah ouais, une attaque, le mec. Oh là là. Oh, c'est abusé. Bon, clairement, voilà. Bon, c'était une course. Voilà, on s'est fait chier. Hein, clairement, on s'est fait chier. Il y aura du montage. Mais voilà, c'est une catégorie qui est sympa. Il n'y a pas de problème. Elle est sympa. Mais le problème, c'est que. Bah, déjà, je trouve que c'est trop long. Et puis, on s'ennuie très vite, en fait. On s'ennuie très vite. Parce que finalement. On est à notre rythme. Bah, on est à notre rythme. On a notre place très vite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a notre place très vite, donc, bah... Ouais, c'est pas foufou. Clairement, c'est pas foufou. Ouais. Bon, j'essaye de trouver une image, mais je trouve pas. Pas mal, ça. Honnêtement, si je fais comme ça, comme image, c'est pas mal, ça. Ça change de l'ordinaire. Regardez, je vais un peu... Oh putain, je suis où, là? Pas mal, ça. Magnifique. Allez. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Deux courses plutôt intéressantes, même si celle-ci, elle était un peu ennuyante sur le milieu. Voilà, encore une fois, après, on est dans le plaisir, et finalement, dès que vous n'avez pas l'e-rating, bah, je trouve que c'est sympa, parce que j'ai même pas regardé l'e-rating des mecs autour de moi, en fait. Je me suis juste appliqué, j'ai fait ce que je savais faire, et puis je trouve que c'est quand même... Ça change le jeu. Vraiment, ça change le jeu, donc n'hésitez pas à enlever cet e-rating dans vos logiciels CAPS, tout ça, nanana. Alors que vous voyez l'e-rating que vous gagnez à la fin, dès que vous allez dans les résultats, oui, mais lors de la course, au moins, ça vous... Je dirais pas que ça vous enlève une pression, parce qu'il n'y a pas de pression, mais ça vous, si, ça peut vous libérer un petit peu, en fait. Ça peut vous libérer un petit peu, vous êtes plus en mode, bon, allez, le mec derrière moi, il a 2000, je m'en fous, le mec devant moi, il a 4000, je m'en fous, je roule, et puis, voilà. Je trouve que c'est plutôt... Ça change un petit peu. Allez, merci à vous, les gars, du soutien. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve peut-être demain pour peut-être une practice. D'ailleurs, ce soir, pour ceux qui veulent, il y aura peut-être une practice entraînement quota. Ça sera la dernière, demain je ferai rien, et puis sinon on se retrouvera vendredi pour le petit event quota by Titus, n'hésitez pas à vous inscrire, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao messieurs, à la prochaine.